Avant la Première Guerre mondiale, ça pouvait arriver que les membres du gouvernement fassent appel à des voyantes pour les aider à prendre des décisions. Et une de ces voyantes se faisait appeler Madame Freya, et elle avait même prédit la Première Guerre mondiale. Au début de l'année 1914, elle va annoncer par exemple au prince Félix Youssoupov, qui est un aristocrate russe et cousin du tsar, qu'il assassinerait quelqu'un, mais qu'il aurait l'impression de faire une bonne action. Et effectivement, deux ans plus tard, Youssoupov participe à l'assassinat de Rasputin. Au début de la bataille de la Marne, elle est convoquée par les ministres et leur annonce qu'à la suite d'un rêve, elle a vu les Allemands reculer le 10 septembre. Et c'est effectivement ce jour-là que la première armée allemande bat en retraite. C'est incroyable, non? Hein? Ouais, sauf qu'elle a aussi raconté plein de trucs archi-faux, hein, comme beaucoup de voyants. Mais de temps en temps, eh bah, ça tombe juste, hein, question de statistiques.